J'ai peur de me retourner, les gars. Ok, est-ce que je me retourne pas? Je me retourne. Oh, salut tout c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une vidéo, ma foi, magnifique. Parce que aujourd'hui, on va résoudre un mystère sur GTA V. Et je peux vous dire que ce mystère, il fait très peur. Alors, comme on le sait, sur GTA V, on a eu pas mal d'easter eggs, enfin, on a eu des mystères, on a eu des mystères qu'on n'a pas résolus, des mystères qu'on a résolus, des choses qui font peur aussi. Et aujourd'hui, on va résoudre un de ces mystères. Parce que depuis pas longtemps, il y a des gens qui ont découvert des choses dans cette forêt où je suis actuellement. Alors là, il est 18h, les gars, à l'heure où je vous parle dans le jeu, voilà, 18h53. Et dans cette forêt, il y a une bête qui apparaît. Et en fait, les gars, quand les gens, ils ont vu cette bête, ils ont vu où est-ce qu'elle allait, elle se dirigeait vers la mine de GTA V. Et du coup, les gars, dans cette mine et dans cette forêt, il y a une bête qui apparaît du nom de Chupacabra. Alors, j'ai trouvé ça dans un forum. Hein. Aujourd'hui, nous allons résoudre le mystère de Chupacabra, la bête aux yeux roux. Ok, les gars. C'est parti, on est actuellement sur GTA. Alors pour ceux qui connaissent pas Chupacabra, je vais vous raconter en gros qui est cette bête. Alors vous aussi, vous pouvez taper sur Wikipédia, hein, vous pouvez prendre votre téléphone et taper Chupacabra. Et vous verrez que ça existe vraiment, c'est une vraie bête et c'est assez flippant. Et donc du coup sur GTA V, elle apparaît de temps en temps. Alors je sais pas si on va avoir la chance de la voir. Donc il y a des joueurs qui se sont rendus dans cette forêt, ici où je suis, à une certaine heure, et à une certaine heure apparemment, bah tout simplement, regardez comment ça fait dans les montagnes en fait, hein. Et du coup il y a la fameuse bête Chupacabra qui apparaît, donc du coup les joueurs qui ont vu cette bête, elle apparaît dans les coups de 21h, et quand ils essaient de s'approcher d'elle, elle court, et elle se cache du coup comme je vous ai dit dans la mine de GTA V, et vraiment les gars ça fait flipper. En gros Chupacabra c'est quoi? C'est une créature qui a des yeux rouges, un nez chelou, une bouche bizarre avec des dents énormes du haut vers le bas, des pics partout sur le corps. D'après des Amérindiens, c'est un mélange entre une chauve-souris et un extraterrestre. Donc ça fait flipper. Est-ce qu'il y a un fameux rapport avec du coup l'alien dans GTA V, l'histoire de l'alien et tout de l'extraterrestre, vous savez, qui apparaît à New York Canton et tout. Alors ça, je sais pas du tout, mais on va résoudre ça. Déjà, ça fait peur parce qu'il pleut et tout, il y a de l'orage. Et là, je suis dans la forêt, ça fait vraiment flipper. Donc, en gros, cette bête, ce qui fait aussi peur, c'est que elle se nourrit de sang d'animaux. Et du coup, des animaux comme des chèvres, comme des vaches. Et en fait, quand elle tue ces créatures, elle fait un trou circulaire dans le cou et elle monte jusqu'à la cervelle. Donc, ça fait flipper. En gros, elle croque la bête et elle fait un sort de trou bizarre jusqu'à monter au cerveau. Que les chercheurs ont remarqué. Et ce qu'on a remarqué, c'est que cette bête, les gars, quand elle tue un animal, en fait, elle le tue sans, mais vraiment sans aucune souffrance, alors que quand même, elle lui fait un trou jusqu'à la cervelle. Donc en fait, on ne sait pas comment ça se fait, mais ça fait un peu flipper. Alors du coup, pour ce qu'il en est un peu de l'histoire de cette créature, en fait, elle apparaît un peu dans les années 1992. Il y a des journalistes, il y a de l'orage et tout, ça fait peur. Il y a des journalistes qui ont découvert cette bête dans les années 92. Et on a remarqué qu'il y a des journalistes en fait qui ont rapporté des morts assez chelous de chevaux, de chèvres, de vaches, etc. Mais en fait, ils avaient tous la même mort. Mais en gros, c'était pas genre dévoré. En fait, elle mangeait que son cou. Et c'était assez bizarre parce que toutes les morts se ressemblaient. En fait, c'était dans des fermes. Et dans chaque ferme, c'était les mêmes morts, les mêmes types de morts. Enfin, tout simplement, la police et les médecins regardaient. Enfin, toutes les morts qu'il y avait, elles étaient similaires en fait. Donc, du coup, en fait, à cette époque, elle s'appelait pas Chupacabra. Elle s'appelait El Vampiro de Moca. Car elle faisait, du coup, référence à un meurtre dans la ville de Moca. Parce que la première fois que cette bête a tué des gens, c'était dans la fameuse ville, du coup, de Moca, d'où le nom de El Vampiro de Moca. Et ensuite, ça s'est transformé en Chupacabra. Donc, c'est une créature qui fait peur, quoi. Hein. Du coup, d'après certains témoignages, à ce moment-là, dans les années 90,
Bah, en fait, c'est là où cette créature aurait apparu, où en fait elle aurait été vue. Et il y a certains témoins qui auraient vu cette bête. En fait, à chaque fois qu'ils la voient, en fait, ils n'osaient pas s'approcher, mais ils la voyaient de loin en fait. Et genre, elle avait des pics, elle avait des yeux rouges, ça faisait vraiment peur. Voilà un peu ce qu'il en est de cette histoire. La dernière fois qu'elle a été vue, cette bête, c'est en 2004, vers le Brésil, etc., vers Porto Rico. C'est la dernière fois qu'on ait vu cette bête. Et du coup, dans GTA V, on aurait aperçu cette bête Chupacabra. Donc, en fait, c'est les gens qui ont fait cette référence après, qui ont recherché et qui ont trouvé du coup cette bête. Et moi aussi, quand j'ai fait mes recherches, bah, ça c'est flippant parce que, en gros, c'est vraiment pareil, quoi. C'est la même bête. C'est vraiment ça, c'est Chupacabra qu'on voit. Quand tu tombes sur Wikipédia et tout, c'est vraiment elle. Donc, du coup, c'est parti. On va résoudre la fameuse histoire et cette fameuse easter egg dans GTA V. On est dans la forêt, on va attendre 21h. Bon, ok. Je suis actuellement, les gars, sur GTA. Ben, voilà. Hein. Et il est 21h36 sur le jeu. Donc il est 21h36. Je me suis mis en première personne pour vraiment être dans le truc. Donc apparemment, les gars, elle apparaît dans cette forêt, la créature. Mais je sais pas où en fait. Et en fait, la créature, elle est toute petite. Elle doit faire vraiment. Ok, je vois rien. Sur la route, y a rien. J'essaie de remonter vers le haut pour prendre un peu d'hauteur. Oula, c'est quoi ça? Il y a un truc en bas. Putain, je vois un truc en bas, les gars. Oh, je peux pas mettre la lumière. Oh, il y a un truc en bas. Oh, elle vient vers moi, elle vient vers moi. Ne dites pas que c'est ça, les gars. Elle est où? Oh, elle vient vers moi, elle vient vers moi. Ok. Elle court, les gars, elle court. Putain, je peux pas cavaler, si je vais mourir sinon. Non, 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 je vais mourir. Ah! Oh, allez où? Remets-toi, relève-toi. Ok. Ok, je suis encore tombé, les gars, ça fait peur. Parce qu'imaginons, elle apparaît d'un coup. Ok, je suis en bas. Elle était vers là, les gars, je suis pas fou. Je vais regarder derrière moi. Il n'y a rien derrière moi. Là-bas, 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 là-bas. Elle est là. Elle va courir, elle va courir. Oh, je la vois plus. Les gars, elle a disparu. What? Mais elle était là. Non, mais je suis pas fou, les gars. Elle était là il y a 2 minutes. Ok, alors il faut savoir un truc, les gars, c'est cette créature. Une fois qu'elle est dans la forêt, elle s'échappe dans la mine. Donc, est-ce qu'on va dans la mine ou pas? Parce que là, j'ai pas l'impression de la revoir. Je sais pas du tout où elle est. Ça fait flipper, sa mère. J'ai trop peur. Là, je suis dans la forêt. Et du coup, des joueurs, en fait. Oh, il y a un animal. Il y a des animaux. Il y a un animal là. Ok, il y a une biche. Non, 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 mais c'est pas ça que j'ai vu tout à l'heure, les gars, c'est pas une biche, hein. Dans les commentaires, on est d'accord, c'est pas une biche, hein, c'était une bête toute petite, on est d'accord. Ok. Là, 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 là! Yay! Oh, j'ai vu! Elle a des pics sur le dos et tout! Non, elle est où? Ouais, ça fait vraiment peur, les gars! Ok. Bon, je crois que là c'est bon. Ok. Là-bas, 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 elle monte la colline. Elle monte la colline. À mon avis, les gars, elle doit aller vers la mine. Hein. Parce que les joueurs, ils ont dit qu'en gros, qu'elle courait vers la mine. Ok, je monte la colline. Ça fait peur. Si elle apparaît dans le coup, les gars, j'ai peur. Ouais, elle va vers la mine, hein. La mine c'est vers là-bas, les gars. Ok,
Là-bas, 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 sur la colline, là, elle est où, là-bas, elle est là-bas. Oh, je la vois plus, je la vois plus. Ah, si, bon. Je la vois. Mais je la vois plus, là. Non, mais attendez, je suis pas fou, les gars, elle était là. Hein. Ok, en fait, c'est impossible de la toucher ou quoi? Bon. Je sais pas, il est quelle heure dans le jeu. On va attendre qu'il soit minuit. Je vais aller vers la mine, les gars. Je vais aller vers la mine. Oh, il y a une bête là, ça fait peur aussi, les bêtes, les biches. On se dirige vers la mine, les gars, et on voit si dans la mine elle est là. Bon. Ok, les gars, j'ai pris ma moto. Je suis à la mine. Et ce que je viens de remarquer, c'est que la mine est ouverte. Alors que normalement, les gars, pour ceux qui connaissent la mine là, elle est fermée. Et je peux vous dire que ça fait peur. Non mais les gars, attendez, je suis pas fou, normalement elle est fermée cette mine. Bon. Donc je rappelle que que Chupacabra, les gars, c'est une créature toute petite qui a des yeux bizarres, des pics partout sur le corps, des grosses dents. J'entends des bruits chelous, ça fait trop peur. Flipper les gars. Je regarde derrière moi. C'est personne, c'est bon. Personne derrière. Alors là, punaise, on arrive à l'intersection. Je vais aller à droite. J'ai peur de me retourner les gars. Ok, est-ce que je me retourne pas? Je me retourne. Oh la maman! Les gars, il y a un truc qui vient d'apparaître là. Les gars. Ok, il faut que je cavale. Derrière moi. Là, 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 là. Il y a un truc. Je vous jure qu'il y a un truc, les gars. Vite, 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 faut que je cavale là-bas. Mais là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas de sortie, je crois. Ok, il n'y a rien derrière moi, les gars. C'est bon, elle est partie. Faire voiler les gars, je suis perdu. Qu'est-ce c'est fermé ici? Par contre, j'ai peur, c'est un cul-de-sac, les gars. Si elle apparaît là, ça fait peur. Ok, donc elle a pas l'air de venir. Wow, j'ai flippé, j'ai vu la. Oh, le truc là, la bombe, elle m'a fait flipper. Ça fait flipper. Je vais retourner au début. Ok. Parce que là-bas, derrière moi, c'est un cul-de-sac. À gauche, c'est un cul-de-sac. Donc je vais aller à droite. Est-ce que je vais. En fait, j'ai peur d'aller à droite. Par contre, je sais pas si elle apparaît d'un coup à gauche ou. J'ai peur. J'ai pas envie de regarder à gauche ou à droite. Ok, à droite, y'a rien. Yay! Elle cavale! Elle cavale! Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars! Elle est derrière moi, je vois rien à ce qui se passe, les gars! Vite, 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 vite! Yay! Elle est derrière moi! Wow, 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 vite, 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 vite! Je suis où? Je sais pas où je suis. Me dis pas que je suis retourné vers. Oh, je suis retourné en arrière, les gars. Je suis perdu, je suis retourné en arrière. Elle est où? Ok, elle a disparu. Ok, je vais laisser la lampe torche comme ça, je vais marcher. Elle est où, cette bête de merde? Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, elle me cavale. Bah, 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 elle est derrière moi, la 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 li. Ok, vite la sortie, c'est par là, les gars. Vite, 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 vite. Je vois rien, les gars. Je sais que vous voyez rien aussi.
Je vais essayer de vous mettre un entorse, mais elle me cavale, donc je sais pas si elle me cavale encore. J'ai pas envie de me retourner. Je me retourne. Elle est encore là, elle est encore là, elle est encore là. Vite, 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 faut que je sorte de la mine. Ma moto, elle est où ma moto? Elle est où? Elle est pas là, les gars. Elle nous a pas suivis. Oh, elle est là, les gars, elle est là, elle est là, les gars, elle est là. Ça fait flipper. Elle vient vers moi, les gars, elle vient vers moi, je vais cavaler. Je me barre. Ok. Ok, en fait, cette bête, les gars, elle existe vraiment, en fait. Elle existe vraiment, les gars, je... Je sais pas si on va y retourner, les gars. Franchement, à 5000 likes, j'y retourne. Et j'essaie de la tuer ou quoi. Là, je sais pas trop, les gars, vraiment. Ça fait trop peur, je vais me barrer vite d'ici. Donc, à 5000 likes, les gars, on retourne voir la bête. Ouais, y a des gens qui font peur et tout. Même les gens, maintenant, j'ai peur d'eux. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et voilà, je suis en panique, je suis en panique.